La lumière du jour me réveille. Les volets sont à demi ouverts. Elle dort encore. Il est 13h. Je la regarde, sais pas quoi penser d'elle. J'ai pas envie de me lever. J'ai pas envie qu'elle parte. On sort d'une soirée avec des potes. C'était sympa, on s'est mis frais avec les vrais sans fausses notes. On s'est vite séparés, mais on se jetait des coups d'œil à travers le salon. Nos regards croisés en faisant des slaloms. 26 personnes et elle sur le canapé. Je m'ennuie, je me réconforte en sachant qu'elle finira chez moi désapée. N'importe quelle vie peut m'avoir. Elle m'a choisi, elle m'a eu. Elle me dit m'avoir repéré au bahut. Tous les 6 mois, une fille sort de ma tombe. 3 mois après la trêve amoureuse reviennent les bombes. Il est 2h, c'est un cadavre, je suis un vautour. Et j'appréhende, j'aurai rien à lui dire sur le chemin du retour. J'arrive plus à communier avec les gens, plus envie de raconter des histoires. Je veux créer les futures légendes, mais personne veut jouer avec moi. À la récréation, lunettes et t-shirts Nintendo, ma casse en pleine ségrégation. Je sèche mes matinées, je m'en devant le prof et le CPE. Quand je dis je me couche tôt, eux ne comprennent pas depuis le CP. L'école c'était mieux avant, quand les grands du préau n'avaient rien à vendre. Quand on avait encore des choses à apprendre, j'ai plus envie de me cultiver. Je deviens insipide à force de les fréquenter. J'ai envie de me mutiler, rien n'est utile, ma vie est ainsi vide. Si encore j'avais un rocher à pousser comme Sisyphe, coucher avec moi n'a pas de coup. J'ai peur qu'elle me trouve sans goût. Elle est Végéta, je suis sans Goku et j'ai tout testé. Impossible est la fusion, seul remède, le câble Ethernet comme perfusion. Je passe mes journées, les volets fermés. Ça m'importerait si tous les jours étaient fériés. J'ai envie d'elle, mais j'ai pas envie de baiser. J'ai rien à lui proposer à part rester devant mon PC. Je m'ennuie dans la vie, j'en ai plus rien à foutre. Pourquoi je passe mon temps à geeker, à mater du foot? Y'a tellement de choses à faire, mais tout me paraît irréel. Les pieds sur terre, le no life revient IRL. Je passe mes journées, les volets fermés. Ça m'importerait si tous les jours étaient fériés. J'ai envie d'elle, mais j'ai pas envie de baiser. J'ai rien à lui proposer à part rester devant mon PC. J'ennuie dans la vie, j'en ai plus rien à foutre. Pourquoi je passe mon temps à geeker, à mater du foot? Y'a tellement de choses à faire, mais tout me paraît irréel. Les pieds sur terre, le no life revient IRL. Maman, je veux plus aller au lycée. Je veux plus qu'aucune de leurs conneries dans ma tête vienne s'immiscer. Je sais que je vais décevoir papa. Je suis triste car je l'aime, bien que de mon avenir on ne parle pas. J'ai envie de me buter. Mais pourquoi? Personne peut me satisfaire, même la plus belle des putes. Et je n'ai aucune destination vers laquelle voyager. J'apprends toujours à communiquer, bien que je sois âgé. Mes rêves c'était de me dépuceler et devenir joueur de foot. Le seul que j'ai réalisé avec l'autre ne peut rivaliser. J'étais gamin, je me levais tôt tous les matins. Prenais petit déj dans la téloche avant de faire du skate ou des patins à roulettes. J'avais le temps pour progresser dans mes passions. Faire le PG devant les zoulettes, ma principale occupation. Ensuite est venu le temps d'MSN, des MMO, des journées sans fin à squatter le PSN. Ma mère frappe à ma chambre, je demande pourquoi je vois aucune fille. Je lui réponds que j'en ai 7. Mais pour elle, je n'ai aucune fille. Je passe mes journées, les volets fermés. Ça m'importerait si tous les jours étaient fériés. J'ai envie d'elle, mais j'ai pas envie de baiser. J'ai rien à lui proposer à part rester devant mon PC. Je m'ennuie dans la vie, j'en ai plus rien à foutre. Pourquoi je passe mon temps à geeker, à mater du foot? Y'a tellement de choses à faire. Je t'attends.